Welcome to a special episode of Ma'al Maghrib, Min Washington. In today's show, Morocco bids farewell to the year. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. 2023 s'achève avec d'énormes acquis économiques et diplomatiques pour le Maroc, malgré le séisme d'Al-Haouz. 2023, une année marquée par des guerres et de nombreuses catastrophes naturelles. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Khalid Halloumi, chercheur dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de la politique de sécurité nationale. Il est diplômé de l'école Walsh du service extérieur de l'université de Georgetown et il a travaillé aux Nations Unies pour le bureau de lutte contre le terrorisme. Parmi nous également, Georges Lundrit, qui dirige depuis 1998 l'organisation Frontiers of Freedom, une fondation de recherche fondée par l'ancien sénateur américain Malcolm Wallop. Chris Lapetina, notre second chroniqueur, président de Focus Consulting Overviews. Chris est un vétéran de la marine américaine. Il jouit de 3 décennies d'expérience dans la création de la protection de marques et de plans stratégiques. Il est également consultant en évaluation des politiques au profit du Parti démocratique. Alors, 2023 touche à sa fin. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer l'année qui s'achève en revenant sur les actualités les plus importantes, celles qui ont eu le plus d'impact sur notre vie, notamment dans les domaines de la technologie, de l'économie, de l'intelligence artificielle, la désinformation, les cyberguerres ou l'inflation qui a touché tous les pays. Nous parlerons également des guerres et des conflits à Kiev, Gaza, mais aussi en Arménie et au Soudan. Nous évoquerons aussi la course pour la conquête de la Lune et les 2 États les plus peuplés au monde, l'Inde et la Chine, sans oublier le réchauffement climatique, car les températures atteignent des niveaux de plus en plus préoccupants. Nous demanderons à nos invités ce qui les a le plus marqués en 2023 et ils nous parleront de leurs prévisions pour 2024. Mais tout d'abord, évoquons les succès du Maroc lors de la Coupe du monde de football au Qatar. C'est un reportage sur le Maroc en 2023. يودع المغرب ومعه كل شعوب الأرض سنة 2023 Le Maroc et tous les peuples du monde font leurs adieux à l'année 2023. L'année qui s'écoule a été témoin de l'une des plus grandes catastrophes naturelles que le Maroc ait connues dans l'ère moderne. Mais le royaume en tant que roi, peuple, gouvernement et phare ont écrit une épopée glorieuse qui incarne l'esprit de solidarité face au séisme dévastateur. Les Marocains ont retroussé leurs manches et accueilli les plus grandes manifestations internationales. Les responsables de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et les dirigeants du monde étaient déterminés à ce que la ville de Marrakech, dans la région endeuillée d'Al-Haouz, soit le centre des décisions économiques et financières mondiales. En outre, la bonne nouvelle que le Maroc accueillera la Coupe du Monde 2030 était un rêve devenu réalité, le rêve de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme et en sa sainte miséricorde. De ce fait, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a annoncé au peuple marocain que la FIFA a retenu à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. L'indice du tourisme a augmenté et les secteurs qui y sont liés se sont redressés. En fait, l'étranger a tourné sa boussole et ses programmes de voyage vers le Maroc, un pays des exploits, résultat du sérieux et d'un travail acharné. Les prévisions de croissance économique pour 2024 sont de 3,6% et le taux de service de la demande intérieure devrait augmenter à un rythme de 3,1% et le taux d'inflation diminuera bientôt à 1,8%.
Tout cela est dû à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi qui jouit d'un grand amour de la part de son peuple. D'autant plus, la diplomatie marocaine, dirigée par le roi Mohamed VI, a poursuivi le chemin des victoires et de la sauvegarde d'intérêts vitaux et de l'intégrité territoriale du Maroc. Le Conseil de sécurité a réaffirmé son soutien à la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine. Enfin, la visite officielle effectuée par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux Émirats arabes unis a créé un événement phare et un état de rapprochement entre les deux pays par le biais des projets de développement pionniers qui dépassent les constantes de la géographie et de la distance. Bonne année à notre beau pays, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Que Dieu l'assiste. Une année riche en événements pour le Maroc. En fait, la nouvelle du tremblement de terre a été la plus dévastatrice et la plus douloureuse, mais Sa Majesté le roi Mohamed VI a géré cette catastrophe naturelle avec une grande sagesse. Alors Chris, comment le peuple marocain s'est-il remis de ce tremblement de terre? Comment a-t-il fait face aux conséquences de ce séisme d'El Haouz? Challenges that they've had because of that in this year. Well, like you said, I think the king and his administration and his government made Herculean. Comme vous venez de dire, Sa Majesté le roi et le gouvernement marocain ont déployé d'énormes efforts pour remettre le Maroc sur pied en aidant toutes les victimes du séisme d'El Haouz. De même, l'engagement du pays à progresser et à aller de l'avant se manifestera à travers l'accueil par Marrakech des réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI un mois après le séisme meurtrier. Le Maroc était, et il est toujours, l'un des plus grands pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Grâce à sa résilience et à la cohésion de sa société, le Maroc se renforçait du terrible séisme d'El Haouz. Rien n'a davantage démontré la résilience du Maroc que la tenue des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international au Maroc, quelques semaines seulement après le séisme. Alors, comment un tel redressement en si peu de temps a-t-il été perçu sur la scène mondiale? Je pense que cela a suscité une grande admiration, car tout tremblement de terre provoque de grandes destructions. Non seulement des maisons, des gens et de leur vie sous les décombres, mais aussi des infrastructures, cela crée un gros problème. Cependant, le Maroc a pu surmonter rapidement les effets du tremblement de terre, ce qui témoigne clairement d'un leadership avisé et de la distinction des citoyens marocains au cœur généreux. Car souvent, lorsque les citoyens sont confrontés à un défi de ce genre, ils se sentent frustrés et opprimés et ne se précipitent pas pour faire ce qui est nécessaire pour retourner à leur vie normale. Mais ce que nous avons vu au niveau du Maroc, grâce à sa résilience et à sa cohésion de la société, le royaume sort renforcé du terrible séisme d'El Haouz. Et cela est devenu clair pour tout le monde. Vous venez d'évoquer par exemple les récents succès du football marocain et je crois que les deux sujets sont liés parce que le peuple marocain, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a fait un grand effort et a étonné le monde par les bons résultats qu'il a obtenus. En examinant l'épopée homérique de l'équipe du Maroc en Coupe du Monde et le séisme d'El Haouz, on constate que le peuple marocain a imité cette victoire footballistique lors du séisme à travers sa résilience et sa cohésion. Khalid, 2023 a également été témoin de nouvelles avancées en faveur de la proposition d'autonomie concernant le Sahara marocain, ainsi que de nouvelles provocations à la frontière algéro-marocaine. L'année 2023 a apporté au Maroc son lot de défis sur le volet de la défense de sa souveraineté. Alors, quels sont les principaux obstacles à l'avancement de la question du Sahara? And moving forward. Thank you. So I think one of the biggest challenges is, first of all, this ongoing conflict that's been going on. Je vous remercie. Alors je pense que le plus grand défi est tout d'abord ce long conflit qui dure depuis de nombreuses années. Le fait que le soutien de la communauté internationale au Maroc sur cette question implique de nombreuses parties actives et solidaires qui changent de temps à autre leur position rend le conflit plus difficile.
Il existe également des difficultés au niveau des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie qui empêchent de parvenir à une solution au conflit. In terms of diplomatic relations, to try to sort things out, find like a sound solution. Chris Lapetina, Chris Lapetina, sur ce même sujet, à cause de cette tension, cela rend plus possible que l'autre partie n'aura pas la volonté d'essayer de diviser les gens. En fin de compte, nous voulons le mieux pour la région, pour le Maroc et pour les Marocains. Comment voyez-vous l'avenir? Il semble que le conflit soit aujourd'hui dans une impasse. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense également que beaucoup de gens à Washington qui suivent cette question sont satisfaits et que les gouvernements américains semblent être du côté du Maroc en poussant l'ONU à jouer un rôle très actif et faire admettre que l'Algérie est à l'origine du problème provoqué par le Polisario. Cette question doit être négociée de manière transparente, ce qui signifie que l'Algérie doit admettre qu'elle a un rôle quant à ce dossier et ne pas se cacher derrière le Polisario. C'est la seule façon de parvenir à une solution pacifique. J'espère donc que cet effort se poursuivra au sein des Nations Unies avec la communauté internationale, en particulier les États-Unis qui sont rangés du côté des Marocains au niveau de cette question. Bien, Georges, permettez-moi maintenant d'évoquer le sujet des séquestrés de Tindouf. Au cours des dernières années, nous avons évoqué cette question à maintes reprises dans le cadre de cette émission. Alors, que doit-il se passer en 2024 pour que les choses avancent? Le Conseil de sécurité de l'ONU doit prendre plus d'initiatives. Il faut également que les Algériens reviennent à la table des négociations. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que le Maroc a fourni, je dirais, un bon cadre pour le leadership. Et je pense que l'ONU devrait soutenir cela. Pour être franc, les dirigeants algériens semblent vouloir qu'il y ait de la discorde et des troubles. Ils pensent qu'ils peuvent en bénéficier. La Russie, par exemple, joue ce rôle-là en semant de la discorde et des troubles partout dans le monde. Les Russes semblent avoir le sentiment qu'ils peuvent en bénéficier. J'espère que les États-Unis seront toujours du côté de la stabilité et de la sécurité, comme c'était toujours le cas d'ailleurs. Nous considérons une telle mission comme notre rôle primordial pour aider les gens à réussir à travers le monde. De ce fait, les États-Unis sont toujours du côté du Maroc parce que le royaume ne cesse de soutenir la sécurité et la stabilité. Khalid, face au séisme d'Al-Haouz, les Marocains ont relevé le défi d'affronter cette catastrophe main dans la main, dans la solidarité et la cohésion. Grâce à cette résilience, la société et le Maroc en sont sortis renforcés. Dans ce même esprit de solidarité, le roi Mohamed VI a accordé une énorme contribution financière au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre. Alors, quelle était votre lecture de ces événements du point de vue de la sécurité et du redressement du Maroc après le séisme? So the earthquake was a very damaging event, as you might have known. It was one of the most damaging earthquakes that Morocco has had in a long, long time. Écoutez, le séisme d'Al-Haouz a eu un impact dévastateur sur un vaste territoire. Comme vous le saviez peut-être, le séisme d'Al-Haouz est qualifié comme l'un des plus violents de l'histoire du Maroc. Support from the international community, other countries rushed to help. Bien entendu, lorsqu'il s'agissait des efforts déployés pour reconstruire, tout d'abord, il y a eu un incroyable soutien de la part de la communauté internationale. Plusieurs pays se sont précipités pour donner de l'aide. En fait, il y avait un problème, mais je pense que vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est le fait que les efforts de reconstruction ont été si difficiles jusqu'à présent à mettre en œuvre vu le complexe géographique. Des recherches intéressantes ont vu le jour après le séisme d'Al-Haouz en termes de « que devrions-nous faire pour pouvoir reconstruire une telle zone très rapidement ?» Il y avait deux points de vue contradictoires. Le premier est que nous devrions construire avec un meilleur béton, un acier plus solide, ce qui s'est avéré moins rigoureux parce que le matériel qui était utilisé auparavant
avant le tremblement de terre a été utile. C'est juste la façon de construire et la technique qui a été appliquée qui est le problème. Je pense donc que le Maroc est apte à reconstruire la province d'Al-Haous. Il existe un bon code de construction des bâtiments au Maroc, c'est juste que les gens concernés doivent s'y conformer. De ce fait, la reconstruction sera beaucoup plus rapide et plus efficace. And much better. So in the future, things if unfortunately another earthquake happens, then things will not be as destructive. Une nouvelle ère a vu le jour dans le partenariat entre le Maroc et les Émirats arabes unis qui accueillait la COP28. Le roi Mohamed VI a annoncé cette alliance qui devrait sécuriser le financement de plusieurs projets et chantiers stratégiques pour le royaume. Georges, la visite officielle du roi du Maroc aux Émirats arabes unis revêt une importance considérable. Les deux pays ont scellé un partenariat d'une ampleur considérable. Que pensez-vous de ce nouveau pacte de coopération? I think it's hard to understate the importance, to be blunt, because, and you did a good job of setting up that question, because je pense qu'il est difficile d'en sous-estimer l'importance. Vous venez de poser une très bonne question parce que les prêts de la Chine inquiètent. Oui, Pékin fait l'objet de critiques concernant ses pratiques de prêts aux pays du monde. Il s'agit toujours de faire progresser le projet phare chinois à la ceinture de la route. En revanche, je pense que les Émirats arabes unis ont une approche différente, beaucoup plus coopérative. De ce fait, je pense que le roi du Maroc a fait preuve de plus de sagesse à travers cette alliance en or entre le Maroc et les Émirats arabes unis. J'admire d'ailleurs une telle vision perspicace pour consolider les acquis et réaliser davantage de progrès. Le Maroc se positionne donc en tant qu'acteur influent et sérieux sur la scène mondiale. Tout à fait. Chris Lapetina, les mémorandums d'entente signés entre le Maroc et les Émirats arabes unis promettent des horizons plus larges pour un partenariat fructueux dans plusieurs domaines, parmi lesquels le projet de LGV, le secteur de l'eau, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures comme les aéroports et les routes, etc. Il y a énormément de projets à développer dans un horizon proche. Alors, selon vous, quelle est l'importance de ce type de coopération globale pour l'amélioration des infrastructures? Well, I think Morocco is a great example for countries that are emerging into a new and a higher economic. Je pense que le Maroc est un excellent modèle pour les pays émergents. Le roi du Maroc a mis en place un système dans lequel l'économie profite à tous. Les grands chantiers d'infrastructure permettent plus de développement économique au Maroc et plus de prospérité pour tous les Marocains. Prosperity for all the people of Morocco. Cela donne également au monde une opportunité de regarder le Maroc autrement en tant qu'hub économique et pays propice aux affaires. Investment would offer a good return. Khalid, le roi Mohamed VI a adressé une lettre au chef du gouvernement relative à la révision du Code de la famille à travers la participation des organismes officiels et des acteurs de la société civile pour un tournant au Maroc en faveur de l'égalité homme-femme et de l'harmonie sociétale. Le roi du Maroc y voit une nécessité en donnant la priorité à cette révision dès 2024. Alors, quel impact cela aura-t-il sur l'avenir du Maroc? That's an interesting point to raise. Although I wanted to go back briefly on the UAE and more the King's visit to the UAE and the ongoing. C'est un point intéressant à soulever, même si je voulais d'abord revenir en arrière brièvement sur le sujet des Émirats arabes unis et la visite officielle de Sa Majesté lors de la COP28. Le roi Mohamed VI a plaidé en faveur d'un pacte pour l'action afin de faire face aux défis climatiques, soulignant que c'est à travers ce pacte que l'humanité peut démontrer par des actes que les objectifs les plus ambitieux ne sont pas pour autant les moins accessibles. Wanted to backtrack on that and raise that point. Now, talking to social reform in Morocco,
En fait, j'y ai beaucoup apprécié, car jusqu'à présent, de nombreuses politiques ont été élaborées quant à ce sujet. Mais les États ne se sont pas vraiment empressés en vue d'appliquer ces lois. Je me tourne à présent vers la question relative à la révision du Code de la famille au Maroc. Ce que j'ai aimé, c'est que le social est une affaire d'État dans le Maroc de Mohamed VI. Les réformes adoptées au cours des deux dernières décennies au Maroc sont à la fois structurelles et sectorielles. Depuis 20 ans, le Maroc connaît une modernisation politique, économique et sociale. De ce fait, la révision du Code de la famille doit donc s'adapter, en gardant à l'esprit que le Maroc est quand même une société musulmane. Donc en même temps, il faut gérer toutes ces choses ensemble. Je pense donc qu'un excellent travail est accompli et que le temps nous dira comment la mise en œuvre verra le jour dans le futur. Chris, l'une des choses qui figure dans cette révision du Code de la famille est davantage de droits pour les femmes au sein de la société marocaine. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Tout en gardant l'islam comme facteur essentiel de l'identité nationale, il s'agit là de reconnaître davantage la place de la femme au sein de la société marocaine. Je pense que pour les nations et les économies occidentales, cela est le véritable chemin vers le progrès et la croissance. De ce fait, les nations occidentales considèrent le Maroc comme un endroit où ils voudraient faire des affaires. Le royaume, pour eux, est une nation moderne, une nation où les gens sont traités avec respect en tant que citoyens. Encore une fois, il s'agit d'un autre élément qui va pousser le Maroc vers l'avant. George, il semble que la révision du Code de la famille se fera graduellement, comme disait Khalid tout à l'heure. Ces choses ne se font pas du jour au lendemain. Il faut que la société et les citoyens s'y adaptent lentement. Est-ce que cela a du sens d'un point de vue politique? I think it does make a lot of sense, and I think again it demonstrates the wisdom of the Moroccan leadership because. Oui, je pense que cela a beaucoup de sens. Cela démontre la sagesse du roi Mohamed VI, car d'une manière générale, c'est difficile d'effectuer un changement au sein de la société sur n'importe quelle question, même si nous sommes globalement d'accord sur ce problème. Il est difficile de le résoudre en un rien de temps. Moi, personnellement, je suis un père de 5 fils et 2 filles. J'aime mes filles chaque jour autant que j'aime mes fils. Je pense que le roi estime également que les femmes du Maroc sont aussi importantes au Maroc comme les hommes. Bien évidemment, ils ont des rôles différents et des atouts différents. Je ne dis pas qu'ils sont exactement les mêmes, mais mes filles sont différentes de mes fils. Mais la réalité est que j'apprécie eux pareil, ce sont mes enfants. Donc, j'ai le sentiment que le roi du Maroc voit ceci. Il veut que ça devienne une partie intégrante au sein de la société marocaine. Khalid, l'année qui s'achève a été riche en victoires sur le plan sportif dans la foulée de la qualification historique du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Il y a eu la nouvelle de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue sociétal, surtout après le séisme et tous les défis qu'il a fallu surmonter depuis le Covid-19? Cela signifie tant de choses. Je me souviens, quand j'étais un enfant au Maroc, nous avions de nombreuses candidatures pour la Coupe du Monde auparavant. Nous avions un sentiment comme si c'était impossible. Quand j'ai entendu la nouvelle de la qualification historique du Maroc aux demi-finales, je me suis dit « Waouh ! Je n'arrive pas à le croire ». J'ai dû vérifier la nouvelle. Je me disais « S'agit-il d'une fausse information ?» Non, c'était réel et j'étais si heureux. Concernant le fait que nous allons avoir cette opportunité de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football avec le Portugal et l'Espagne, qui sont très proches, cela constitue un énorme avantage sur le plan géographique. Le Maroc a accompli une victoire inédite lors de la dernière Coupe du Monde, et malgré une certaine inflation élevée, il y a des infrastructures de qualité. Comme vous l'avez mentionné, le football nous a réunis depuis toujours en Afrique et dans le monde en général. De ce fait, je pense que cela va créer un grand sentiment de fierté chez tous, et ils vont sûrement essayer d'en arriver là. Sentiment of achievement in all Moroccans to try to get to that point and making this succeed.
Chris, que pensez-vous des victoires du Maroc sur le plan sportif, notamment à Doha? Marc, j'avais beaucoup de chance car j'étais à Doha pendant la Coupe du Monde quand le Maroc a réalisé ses merveilleuses victoires. Il y avait de la fierté non seulement chez les citoyens des pays du Golfe qui étaient là-bas, mais aussi de personnes venues des différentes nations africaines. J'ai donc vu la fierté du Maroc à la fois en Afrique et dans la région du Golfe. George, le Maroc était sur le devant de la scène internationale avec la tenue des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Cependant, l'organisation de la Coupe du Monde 2030 est autrement plus intéressante sur le plan événementiel. Alors, que doit faire le Maroc pour s'y préparer? Well, I think one, I just want to say that even in the United States, I want to go back to the soccer discussion just briefly, and that is. Je veux juste revenir brièvement sur la question du football. Ici, aux États-Unis, il y avait un énorme encouragement d'Américains qui applaudissaient pour l'exploit de l'équipe marocaine au Qatar. Cela tient en partie au fait que les Américains semblent aimer toujours les outsiders. Mais d'un coup, les Marocains ne sont plus des outsiders. C'était donc passionnant au niveau international. Je pense que les principes qui ont contribué à cette victoire sportive sont le fait de planifier et bâtir l'infrastructure nécessaire à la formation des athlètes et tout ce genre de choses. D'ailleurs, le gouvernement du Maroc agit selon la même approche à plusieurs niveaux différents. Je pense donc que ce modèle du Maroc est un bon modèle à suivre. George Khalid. George, Khalid, Chris, nous allons maintenant faire une courte pause avant de poursuivre cette rétrospective de l'année 2023 sur le plan international. Alors, restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous revenons sur l'année 2023 en essayant de nous projeter sur 2024. Alors, le problème le plus intense qui est surgi sur la scène internationale s'est probablement produit le 7 octobre, à savoir le début de l'escalade entre Israël et le Hamas. En réaction, Israël s'est attaqué à la bande de Gaza avec les conséquences que l'on sait et qui constituent un défi pour le monde et un changement radical dans les opinions publiques sur cette question du conflit israélo-palestinien. George, pouvez-vous nous parler de la guerre à Gaza? Jusqu'où pensez-vous que cela va aller? Quel impact cela a-t-il sur la scène internationale en 2023 et quelles conséquences pour 2024? There seems to be some generalized understanding that Israel has a right to exist. Il semble y avoir une compréhension générale selon laquelle Israël a un droit d'exister et doit pouvoir se protéger. En même temps, je pense qu'il existe également une compréhension générale selon laquelle le peuple palestinien, aussi différent peut-être du Hamas, ont également le même droit, et ainsi de suite. Il doit donc y avoir ce genre de modulation pour essayer de comprendre comment que ces deux processus réussissent, ce qui signifie que les Israéliens ont le droit de vivre en paix, tout comme les Palestiniens, et je pense que c'est là le défi. Bien évidemment, il y a des gens qui sont des extrémistes et qui veulent éliminer l'autre partie. Permettez-moi de vous donner un exemple. Je n'ai pas aimé les actes des nazis au cours de l'histoire, mais j'admire le peuple allemand. Les Allemands sont de bonnes personnes, ils sont les alliés de beaucoup de gens à travers le monde, et nous avons vu de près cela lors du séisme d'Alhaus. L'extermination d'un peuple n'a jamais été une bonne idée, mais il peut parfois s'avérer nécessaire d'anéantir une aile politique. Et je pense que nous devons faire cette distinction entre les deux. Khalid, pensiez-vous au début du mois d'octobre que quelque chose de cette ampleur allait se produire au Moyen-Orient? Écoutez, l'événement du 7 octobre était si rapide. Je pense que personne ne s'y attendait, même pas les Israéliens. Mais tout le monde pouvait savoir que tôt ou tard, les choses allaient changer et exploser de manière disproportionnée, compte tenu de la situation des Palestiniens dans la bande de Gaza, les interventions militaires israéliennes et la manière dont ils ont traité la question. Ça dure depuis un moment. L'État israélien est vraiment très réticent à trouver une vraie solution. Les gens s'en remettraient bien sûr. Ils disent qu'une solution à deux États est proposée. Mais je ne pense pas, Israël a toujours voulu que cela se produise.
produisent. Cela avait causé d'énormes problèmes. Enfin, la pression éventuelle a provoqué une explosion. Pour en revenir à votre point, lorsque vous avez mentionné la tentative de mettre fin à ce mouvement ou organisation politique et son aile militaire, nous parlons évidemment à propos du Hamas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment détruire une idéologie. C'est une idéologie qui cherche à établir son propre agenda. Et la réponse, avec une puissance militaire folle et tout détruire, ne résoudra rien. Comme vous l'avez dit, il doit y avoir une véritable solution face à ce problème. Chris, selon vous, que va-t-il arriver au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? Et que pensez-vous qu'il va se passer en 2024 en ce qui concerne les mouvements pour la paix et la sécurité dans cette région? Bon, tout d'abord, soyons optimistes. Je pense qu'il peut y avoir une solution à deux États. Khalid est un jeune homme, il n'a pas vécu une telle période. Cependant, nous avons tous vécu, moi et les gens de mon âge, des années où les deux États se sont rapprochés avec l'aide des États-Unis. Il y avait des premiers ministres israéliens qui étaient légitimement intéressés par une solution à deux États. Cela ne s'est tout simplement pas produit. Je pense que le monde entier envisage aujourd'hui une certaine entente après la guerre. Il faut une sorte de compréhension du fait que les Palestiniens ont besoin de vivre en paix avec Israël et qu'Israël a en fait un droit d'exister. Une des choses qui s'est produite il y a quelques années, et je pense que cela nous donne un signe d'optimisme, c'est que de nombreux habitants de la région ont adhéré à cette idée d'avoir la paix avec Israël. Bien entendu, le Maroc est l'un des leaders de ce mouvement, et j'espère que nous retrouverons la paix avec le reste du monde en mettant en place une solution avec laquelle un nouvel Israël pourrait accepter de vivre en paix aux côtés des Palestiniens. George, une autre guerre qui a commencé l'année dernière se déroule dans une autre partie du monde. Je pense bien sûr à la guerre en Ukraine. Je crois qu'aucun d'entre nous n'aurait prédit que ce conflit se poursuivrait encore 20 mois après son éclatement. Il a semblé pendant un certain temps que l'Ukraine était en mesure de retenir les Russes. Mais aujourd'hui, on est dans une sorte d'impasse. Les Russes ont un certain avantage en raison de leur force militaire et de leur capacité pétrolière. Alors, comment voyez-vous ce conflit évoluer? Certains dirigeants américains disent que nous ne pouvons pas financer éternellement les Ukrainiens. Comment voyez-vous les semaines et les mois à venir? Je pense que vous avez tout à fait raison. Lorsque cela s'est produit, la plupart des experts disaient que cela serait très court et que la Russie se contenterait de renverser l'Ukraine et qu'elle arriverait. Mais cela n'a pas été le cas et la guerre est dans une impasse. Certes, l'avantage pour la Russie est que la guerre est en Ukraine. Ce sont donc les Ukrainiens qui subissent tous les dégâts au niveau des infrastructures. Même si la Russie a perdu quelques forces militaires, Moscou n'est pas en reste endommagé et ne l'est pas non plus. Donc, si cela continue encore longtemps, il me semble qu'il n'y aura plus de vie en Ukraine. Le monde ne doit pas permettre un tel scénario, d'ailleurs. Je dois dire à cet égard que le Maroc a fait un excellent travail en tant que pays source de paix et de stabilité dans sa région. En revanche, l'Algérie ne l'a jamais été. Nous avons donc besoin de davantage de pays comme le Maroc. Khalid, l'Algérie entretient des liens très étroits avec la Russie dans le domaine militaire, dans celui de l'armement et bien au-delà. Le Maroc a en quelque sorte décidé de ne pas s'impliquer avec le bloc de l'Est. Alors, comment voyez-vous le futur au niveau de la guerre entre Kiev et Moscou? Well, to backtrack a little bit on the actual Ukraine war going on with Russia. Permettez-moi de revenir un peu en arrière concernant la guerre en Ukraine qui se déroule actuellement avec la Russie. Je pense que c'était une sorte d'erreur de calcul de la part de l'Ouest en termes d'aller là-bas et de faire en sorte que cette guerre se déroule aussi vite que possible, surtout si l'on regarde comment l'OTAN a évolué au fil des années et comment le fait de savoir que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN va en fait provoquer un conflit comme c'était le cas en 2015 et 2016.
less proportions because it's losing interest. Like you see in these events, like something is trending or something is not. I guess the war in Ukraine is not trending as well. De ce fait, l'Occident a mal calculé l'affaire. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine prend moins d'intérêt, comme vous le voyez. Je suppose que la guerre en Ukraine n'est plus aussi tendance. Il y eut un rapport du New York Times à propos d'une certaine discorde au sein du personnel du Pentagone quant aux armes fournies à l'Ukraine. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, les Ukrainiens ont payé le lourd prix. D'ailleurs, la guerre en Ukraine se répercute dans toutes les régions du monde. L'impact économique s'est fait sentir immédiatement après l'invasion de l'Ukraine et les deux mois qui ont suivi le début de la guerre. La flambée des prix et le manque de ressources ont secoué le monde entier. It was felt immediately after Ukraine was invaded, and the next two months, the surge in prices, the lack of resources, etc. So. Alors, laissons de côté les champs de bataille et passons au réchauffement climatique. La COP28 vient donc de se terminer aux Émirats arabes unis. Depuis janvier 2023, la température moyenne est la plus chaude jamais mesurée sur une année, avec une augmentation de 1,43 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, poursuivant une succession de records mensuels entamés en juin. Alors, Georges, comment lutter contre le changement climatique? On dit généralement qu'il faut plus d'interventions gouvernementales et de financements, mais il semble que les gouvernements ne veuillent pas le faire. Alors, qu'en pensez-vous? Tout d'abord, je remets en question la science. Il y a plusieurs gens autour du monde qui ont remis en question la science. Ils devraient le faire, d'ailleurs. Car, pour être honnête, on nous dit depuis 20 ans que c'est l'année la plus chaude jamais, et ce n'est jamais le cas. Vous pouvez regarder les graphiques qui sont très plats. Je suis donc sceptique quant au fait que cette année soit l'année la plus chaude jamais vue. Si on fait la théorie et que le CO2 augmente la température, alors il ne le ferait pas seulement en 2023, il l'aurait fait en 2022, 2021 et 2020. À ce propos, nous dépensons alors des milliards de dollars. Permettez-moi de vous donner un exemple. Bjørn Lomborg est un socialiste et statisticien danois. Il a écrit un livre intitulé « L'écologiste sceptique », dont il soulignait que plutôt que de dépenser des centaines de milliards et milliards de dollars, peut-être devrions-nous nous concentrer sur des choses qui changent réellement la vie des gens. Assurez-vous qu'il y a de l'eau propre à boire dans les zones où l'eau manque. Il pourrait apporter de changements significatifs. Le statisticien danois a parlé également de choses comme les micronutriments et des choses de ce genre dans des zones défavorisées où la nutrition peut poser problème. Encore une fois, son argument était le suivant : maximisons le bonheur humain, la santé humaine. Et ne dépensons pas des milliards et des milliards de dollars pour essayer de changer le climat. Khalid, passons maintenant du réchauffement climatique à la technologie. ChatGPT a beaucoup changé notre société. L'intelligence artificielle n'a pas toujours été au premier plan. Alors comment se présente-t-elle en 2023 et quelle est votre estimation de la façon dont cela va changer nos vies en 2024? Il ne fait aucun doute que cela change déjà nos vies et cela va continuer à le faire à l'avenir. D'autant plus que ce domaine connaît une telle croissance exponentielle. Lorsque nous avons connu ChatGPT au début de l'année, personne ne s'attendait à un tel scénario. Je me souviens, il y a seulement un an, lorsque les développeurs parlaient du projet, la plupart des gens étaient totalement contre l'idée selon laquelle non, il n'y a aucun moyen pour que l'intelligence artificielle puisse faire ça. Et voilà, un an après le lancement du projet, nous constatons de près l'efficacité du ChatGPT. Cependant, les gens ne cessent de dire « non, ce n'est pas très précis, ce n'est pas parfait » et aujourd'hui, ça devient parfait, malgré les craintes liées à la perte d'emploi due à l'IA et à ChatGPT. Il est important de reconnaître que ces technologies peuvent également créer de nouvelles opportunités professionnelles. Certains experts estiment que le nombre de nouveaux emplois générés par l'intelligence artificielle pourrait compenser, voire dépasser le nombre d'emplois perdus. Toutefois, ces nouvelles opportunités exigent souvent des compétences différentes de celles requises pour les emplois traditionnels.
Aujourd'hui, l'événement phare à venir est le développement d'algorithmes et Google Bard. Nous vivons absolument une véritable course concernant l'intelligence artificielle. Cette course va maintenant s'orienter vers le matériel parce que tout le monde est désormais capable de développer des algorithmes. Les données sont disponibles en abondance et celui qui obtiendra cela en premier aura un avantage. Apple, par exemple, y travaille déjà. À cet égard, beaucoup de choses verront le jour l'année prochaine. Une personne qu'on ne pourra jamais remplacer, Jeanne Mansour, notre correspondante. Elle va parler des élections aux États-Unis en 2024, car ce sera une question vraiment tranchante. L'année 2023 a été marquée par le début des campagnes pour l'élection présidentielle américaine. La course à l'investiture républicaine a été marquée par une série d'événements, notamment un ancien président qui a été accusé pénalement, mais qui cherche à revenir au bureau ovale, et Nikki Haley, la femme la plus politiquement accomplie de tous les temps en tant que candidate républicaine, puis le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. ثم حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتس الذي يتمتع بشعبية لكنه يقبع في قائمة الرصد. Celui qui gagnera finalement affrontera le président Joe Biden et pourrait remporter la course à la Maison Blanche, selon les estimations de la plupart des observateurs. Puis vient ensuite un groupe d'autres candidats classés en trois catégories en fonction de leur chance d'être approuvés par la base républicaine. Mais le signe le plus frappant sera la renomination du président Trump qui se heurte à des poursuites pénales. Dans le cas où il serait empêché de se présenter ou si son calendrier de campagne entrerait en conflit avec les audiences sur les questions qui le concernent, l'absence de Trump de la scène électorale serait le cadeau le plus précieux pour son rival démocrate, Joe Biden, qui souffre des conséquences des accusations de corruption portées contre son fils Hunter Biden. L'événement politique intérieur américain de l'année 2023 a été caractérisé par une escalade au niveau de la course aux élections primaires dans les rangs du Parti républicain. Et l'année où nous faisons nos adieux a également été marquée par l'exaspération des problèmes juridiques de l'ancien président Donald Trump, qui annonce avec confiance pour remporter l'investiture du parti. Une victoire qui, selon beaucoup, pourrait se heurter à des obstacles judiciaires susceptibles de bouleverser la scène nationale. Jihan Mansour, Média TV, du jardin arrière de la Maison Blanche, Washington. Merci Jihan. Comme le souligne le rapport, 2024 va être une année charnière pour les États-Unis et cela aura de grandes implications dans des pays comme le Maroc et à travers le monde également. Alors, comment voyez-vous cette élection évoluer? Pensez-vous que Trump et Biden figureront sur les bulletins de vote ou que nous vivrons un scénario complètement différent l'année prochaine? Nous ne savons pas exactement, et cela rend l'affaire encore plus intéressante et constitue davantage un casse-tête. Biden est un homme plus âgé, il peut avoir des problèmes de santé comme toutes les personnes âgées, ce qui lui éviterait les difficiles tâches de se présenter à la présidence. Comme le reportage vient d'évoquer, Donald Trump fait face à différents types de poursuites judiciaires, et certains d'entre eux peuvent l'empêcher d'être un candidat à l'élection présidentielle. La seule chose importante est que nos alliés gardent à l'esprit et sont conscients que ces faits sont totalement inédits. Nous avons des lois, mais nous ne savons pas si les lois s'appliqueraient à Donald Trump parce qu'il n'a jamais été statué par les tribunaux. Il sera donc non seulement intéressant que les gens à travers le monde paient attention à cause des ramifications au sein de notre nation, mais ça va être très intéressant également de voir l'avenir des États-Unis et les lois qui détermineront le processus électoral tout entier. In that situation, who are trying to run for president again.
Khalid, parlez-nous des implications internationales de ces élections aux États-Unis. Dans quelle mesure pensez-vous que nos alliés et les ennemis des États-Unis pourraient poursuivre cela? Bien entendu, en 2016 et en 2020, la désinformation, la cyberguerre, tout ça joue un rôle clé dans les difficultés de la démocratie américaine. Où voyez-vous que cela se produira lors des prochaines élections? Premièrement, je pense que nous devons être attentifs et protéger notre démocratie de l'ingérence électorale, comme c'était le cas en 2016 avec la Russie. Deuxièmement, beaucoup de choses changeraient certainement dans le domaine international si nous supposons le scénario où nous nous retrouvons exactement là où nous en étions il y a quelques années avec Trump contre Biden. Encore une fois, si nous nous en souvenons, Trump était plutôt du côté pro-russe, Biden est en quelque sorte dans le camp opposé. Donc si nous prenons cela en considération, nous pourrions essayer de concevoir des points de vue que cette situation en Europe commencerait à se dégrader si Trump se trouve au pouvoir. Lorsque vous parlez d'Israël, Trump est également plus favorable, tout comme Biden vers Israël. Je suppose qu'en politique étrangère, Trump a eu beaucoup de mal à anticiper son mouvement. Il y aura donc beaucoup de surprises s'il reprend ses fonctions. George, on voit que Donald Trump survit à tout, affaire après affaire, acte d'accusation après acte d'accusation. Il mène toujours les primaires et les caucus des Républicains. Y a-t-il une chance que quelqu'un d'autre que Donald Trump se présente en novembre prochain? J'ai l'impression de regarder un événement sportif et à la mi-temps, le score favorise une équipe. Mais cela ne veut pas dire que le résultat ne pourrait pas changer. C'est peut-être peu probable, mais cela ne veut pas dire que cela ne s'est jamais produit. Nous avons tous vu un match de football où nous perdions 3-1, puis nous gagnions. J'ai l'impression que le processus est un peu bizarre, car il ne s'agit pas d'élections d'un seul jour, mais plutôt d'un mois après mois. Nous commençons dans l'Iowa, puis nous parcourons tous les différents primaires. Donc, si quelqu'un réussit bien, par exemple, dans l'Iowa, de manière inattendue, pourrait les vanter et tout d'un coup les aider à combler l'écart. Nous ne savons pas comment les autres choses vont se passer. J'ai donc l'impression que ce serait une erreur de supporter que les données des sondages électoraux dictent qui gagne. Passons maintenant à un tour de prédiction. Je vais vous demander à chacun de vous de prédire quelque chose pour 2024. De quoi pensez-vous que nous parlerons ici l'année prochaine? L'intelligence artificielle? Chris Lapetina, une prédiction originale pour l'année prochaine? Bon, je pense que le monde est sous pression. Nous sommes confrontés à une pression économique. Nous sommes également confrontés à une pression technologique. De véritables guerres éclatent. Ma prédiction est que le monde accordera plus d'attention et donnera davantage respect aux dirigeants du monde qui s'intéressent à la paix, la stabilité et l'égalité de manière réelle pour tous. Plus encore, parce qu'on parle du Maroc et qu'on a tellement appris sur le Maroc, je considère le Maroc comme un modèle qui veut la prospérité pour tous les citoyens et veut la paix dans la région. Je prédis donc que des dirigeants comme celui-là obtiendront davantage de reconnaissance l'année prochaine plutôt que ceux d'en face qui sont des perturbateurs. Chris, j'espère que votre prédiction se réalisera en 2024. Khalid, pouvez-vous nous donner votre prédiction pour 2024? Écoutez, même si je veux être optimiste, je suis aussi plutôt pessimiste. Je suppose donc que l'année prochaine, nous verrons beaucoup de conflits évoluer dans le Moyen-Orient. Les ressources naturelles sont toujours soumises à une forte pression. Il y a donc beaucoup d'exploitations minières en cours dans de nombreuses régions, surtout avec des acteurs puissants comme les États-Unis et la Chine, qui dépendent de nombreux facteurs naturels pour faire progresser leur développement technologique. Nous allons donc voir beaucoup de problèmes sur le terrain. Je pense que nous pourrions aborder plus tard l'exploitation minière sur la Lune, qui est un sujet intéressant. Espérons qu'il n'y aura pas de guerre là-dedans. Je pense que cette année, la technologie va progresser de manière encore plus étonnante. Nous devons simplement espérer que ces progrès se poursuivront pour aider les gens ordinaires, pas seulement s'adresser aux personnes les plus compétentes, à des fins de profit uniquement.
Nous avons été un peu pessimistes et un peu optimistes. Passons maintenant à George Landreth pour découvrir sa prédiction pour 2024. Je serais peut-être un peu optimiste, car je suis de nature optimiste. J'ai l'impression que 2024 pourrait être difficile parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Mais je pense qu'avec le temps, les gens vont travailler pour des résultats positifs et ils deviendront plus connus, plus appréciés, plus valorisés. Et je pense aussi qu'il y a ceux qui ne travaillent clairement pas dans ce domaine directement et ils deviendront moins respectés. Je pense que, par exemple, Poutine a pu depuis longtemps glisser en tant que leader mondial et en quelque sorte a perdu le respect. Je pense qu'il restera dans l'histoire comme l'un des méchants. Je pense que Xi Jinping le sera également parce que ce sont des dirigeants qui recherchent les conflits et tentent de les promouvoir. Donc, je pense que lorsque cela se produit, cela pourrait être utile parce qu'une fois que nous savons qui sont les bons et les méchants, nous savons qui soutenir et qui sont nos vrais amis. En 2024, tout état de cause, nous espérons que 2024 démarre de façon favorable et nous apporte plus de paix, d'harmonie dans notre monde et dans nos vies. Mais il semble malheureusement, comme l'a dit Khalid, que les troubles au Moyen-Orient et dans d'autres régions risquent de se poursuivre. Nous devons lutter pour ces nouvelles technologies qui résoudront bien des problèmes qui affectent notre planète et notre santé, ainsi que les fondamentaux de notre démocratie. Une chose dont nous sommes sûrs en tout cas, c'est que nous avons été honorés de vous avoir avec nous, chers téléspectateurs. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci également à notre invité, Khalid Halloumi, à nos chroniqueurs, Georges Landreth et Chris Lapetina, notre correspondant, Jian Mansour, et à toute l'équipe de préparation et de production. Nous vous souhaitons encore une fois une excellente année 2024 et nous allons maintenant écouter les messages de vœux de nos concitoyens collectés dans les rues de Washington. Je vous dis à très bientôt. L'année 2023 a été pleine d'expériences réussies et c'est ce que j'espère également pendant l'année prochaine. Je suis vraiment reconnaissante car j'ai beaucoup appris durant cette année sur ce pays et aussi sur sa culture. Je suis excitée pour la nouvelle année 2024. Je vous souhaite une excellente année. Je suis heureux de voir ce magnifique sapin de Noël. Je suis reconnaissant envers ma famille et mes amis et j'aime juste être ici et profiter de Noël. Je vous remercie. Peace and blessings to all. Thank you. Groceries are really expensive here. And there was a lot of fire earlier. C'était une année caractérisée par la hausse des prix et les incendies. Like really badly. And Oprah's not helping that, neither is... Bien dommage, les célébrités ne font pas de dons quant à ce genre de cause. L'État demande aux Américains pauvres et aux citoyens lambda comme moi d'aider les autres. Nous vivons quotidiennement un combat contre l'inflation. J'espère que l'année 2024 soit extraordinaire. Nous souhaitons à tout le monde une excellente année remplie de joie, de bonheur et de santé. J'espère juste une bonne et saine année pour ma famille. Je vous souhaite une excellente année.